Bonjour à tous mes petits cracks moldus et bienvenue dans cette 61e Minute Fantastique. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur les tomes de la saga Harry Potter et notamment la traduction des titres de celui-ci. Si les traductions les concernant ont été respectées pour tous les tomes, il y en a pourtant un pour qui c'est différent, et je parle bien du premier tome, celui par qui tout a commencé. Harry Potter à l'école des sorciers. Dans la version originale, celui-ci s'intitule Harry Potter and the Philosopher's Stone, soit Harry Potter et la pierre philosophale. Pourquoi un choix de traduction différent pour ce premier tome? Il faut savoir que c'était Gallimard Jeunesse à l'époque qui s'occupait d'éditer les tomes d'Harry Potter en France, une édition visant principalement les jeunes lecteurs. Et la maison d'édition, tout comme le traducteur français de la saga Jean-François Ménard, s'accordait à penser que la traduction de la pierre philosophale en titre n'était pas assez significative pour de jeunes lecteurs, ressentant de ce fait une certaine appréhension. Sans doute parler d'une école de sorciers pourrait attirer davantage en raison de ce côté magique tout en restant simple. Fait amusant, les États-Unis ont eux aussi changé le titre pour le premier tome, et ce, pour les mêmes raisons. C'est la fin de cette Minute Fantastique en espérant qu'elle vous ait plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye !